Bonsoir à tous, c'est Farkam, on se retrouve aujourd'hui sur Grandia pour retrouver Sue. La pauvre, elle est tombée de je sais pas combien mètres de haut pour se parquer sa gueule sur, espérons, une plante, pas sur des rochers. Le problème, c'est que cette zone est relativement... Oh putain! La journée commence mal, c'est de la merde, j'ai eu peur, putain, c'est pire que Dead Space ce jeu, je vous jure. Ce bruit est dégueulasse, et Phila se fait me bouffer par une plante carnivore. Au moins, y'a pas de tentacules. Pas mal. Dans un sens. Bon, ok. Oh, où est du people ici? Un autre passage également. Il y a des espèces de tourbillol, je sais pas quoi. Affrontons-les. Cette zone est peuplée, donc Sue peut être dans la merde. C'est qu'elle est douée pour se battre, mais elle est pas costaud, c'est encore une gamine, donc... attention à ça. On dirait des slimes. Des glisseurs. Aéroglisseurs. On sait rien, en tout cas si on voit ça, ça brûle. Moi j'ai plus de magie, donc c'est pas trop grave. Ils sont petits, donc mes AO devraient fonctionner, même si elles sont que niveau 1. Est-ce que ça brûle? Hein? J'ai pas eu ce duo moi, hein? Ça brûle pas beaucoup. Et si on a le pouvoir de la Raphaël? Goûte la Raphaël! Ouais, blow them! Leur faiblesse, c'est plutôt intéressant, parce qu'il y en a apparemment beaucoup ici, donc... Ça a pas l'air, mais... Au moins, je peux améliorer mon niveau de... flamme. Est-ce que j'ai les trois maintenant? J'aimerais bien. Qu'un seul! Je ne pige pas des fois comment marchent les AOE dans ce jeu. Lui, il se défend, alors je m'en fous. DPS, celui-là. Ok, il se défendait de manière tellement bizarre, mais... Bon, bah... Pas critiquer, hein, ça peut lui sauver la vie. En l'occurrence là, non, mais... Vous savez plus. Il aurait été content. Un niveau point, c'est pas dégueulasse. Ok, finissons toute la merde qui est derrière. Le problème qui est présent, je pense, c'est que... Sue, elle est dans mon groupe, et j'avais déjà d'avance de l'expérience par rapport à elle. Et maintenant, elle va encore en avoir. Plus en retard. Ok, j'ai deux chemins. La boussole m'indique... Par là. Peut-être. Oh. Il y a une chaussure dessous. On se doit de par là. Alors voir ce qu'il y a de l'autre côté. Enfin, c'est pas un objet. Les chaussures sont différentes quand vous les trouvez par terre. Et là, c'est une seule paire de chaussures. Donc, c'est bizarre. Bizarre comme cette merde. Peut-être. D'accord. Des plantes qui font du bruit. Ça aurait pu être intéressant si ça a été posté au milieu... Vous savez, ici, là, il y avait 4 ennemis. Genre, vous êtes à côté, ça fait du bruit. D'un coup, les ennemis, ils vont sur vous pour montrer que la zone est dangereuse, que ce soit au niveau monstre ou aussi au niveau environnement. Mais, en l'occurrence, non. Mais on peut penser à ça. C'est une chaussure, probablement celle dessous. Malheureusement, c'était pas Cendrillon. Espérons qu'elle a pas été bouffée, parce que... Ouais, enfin, la chaussure. Bon, ok, les chaussures, on s'en fout. Parfait. Nouvel objet maintenant. Il y a deux endroits où aller. Est-ce qu'il y en a un qui est moins... Avec moins de gens. Fuck, allons ici. Je sens que la protection se passe par là-bas. Je sais, demi-tour, oui, non, mais que voulez-vous? Remarquez au moins, c'est la mort, c'est que moi j'ai pas grand chose à faire pour récupérer l'expérience que j'ai perdue. Ouh, un gros coffre. Bien fait d'aller ici, moi. En espérant que ce soit bien, c'est autre chose. Merci, on a vraiment besoin, c'est capital pour ma survie. Vraiment. Ok, bon. Il n'y a plus qu'un chemin. Un chemin rempli d'ordures. Les trois frères. Pas vraiment. Ah, ils étaient mieux en film, pas dans le jeu. Bien, c'est quoi ça? Et où est Sue, bordel? On m'envoie son cadavre, un truc. Vaccin. Anti-fléau. Je sais pas c'est quoi le fléau. Alors dans le doute, prenons-le. Ça peut être bien. Alors, vu le nom, en tout cas, personnellement, tu es atteint de fléau. Ah, tu vas mourir. Moi, je pense à ça. Ouais, des relocs sur ces coons. En tout cas, allons ici, parce qu'apparemment, ma souris me dit que c'est dans l'autre sens. Alors, est-ce que j'ai raison de faire ça? Une baguette de pain. J'arrive à éviter ce connard, ce sera parfait. Évite ce con!
Putain, tue ce con. Ça a intérêt à avoir le coup. Ça peut être parfait, au dessus de la merde. Ah. Ouh, pour niveau 1-3. Donne la finale alors. Ouais, c'est excellent ça. C'est excellent, ça vaut le coup, littéralement. Ok, alors. Maintenant. Y'a quoi là-bas? Encore du water. Bon. Pas mal tout ça. Fina a passé niveau 5 en flotte. Donc elle a accès à... le soin à tous. Et Justin a pris le pouvoir de faire boum. Je vais vous montrer ça. C'est une magie qui en fait prend la magie de feu et de terre ensemble pour faire boum, une explosion. Donc ça m'aidera à vos deux stats qui sont plutôt utiles pour au final monter vos niveaux de côté. Ça bouffe 7, c'est relativement beaucoup, mais c'est pas dégueulasse comme vous pouvez pouvoir le constater. Alors, en revanche, les créatures sont résistantes à la terre, donc ça fera full dégâts, ça c'est moins sûr. Ouais, et là, au moins, je touche les deux, au moins. Donc c'est bien, ça. Ouais, pas beaucoup. Mais, au moins, on a ce sentiment de puissance et de gain de temps. Lorsqu'on demande directement deux stats d'un coup. 8-8, c'est quasiment ce que j'ai lorsque je touche une fois avec brûlure et une fois avec lance-monster pour augmenter ma défense. Donc, enfin, deux d'un coup, rentable. Et dégâts en plus, ouais. Parce que sinon, mais le reste, la magie de terre avec les buffs de défense, c'est pas trop offensif. Comment ça, waouh. Où suis-je maintenant? Où suis-je? Je suis confus! Cette forêt est presque pire que celle qu'on... Puf puf! Oh, c'est son pet! Il est où? Par là-bas, hein. Elle est où? Elle est là-bas! Parle pas ce langage Pokémon, je comprends rien! Ouais! Bah ouais, bien sûr. J'ai compris, c'est là-bas, connard. Ok, prenons la thune avant quand même. Sou peut attendre. De toute façon, c'est la mort, c'est cette morte avant. Que je sois à la bourre ou quoi, je change pas grand chose. Bon, où est-ce qu'elle est? Dans le pétrin. Elle est dedans? C'est son sac? Oh merde! Qui c'est qui l'a bouffé? Ouais. Y'a un cannibale dans le coin. Et sa maison est à deux pas. C'est un ogre! En armure en plus. Hey you! Is this pot yours? What happened to what was inside? Are you hungry? I'm afraid I ate it all. There's nothing left. Fina! Enfoiré, quoi! That does it! Hey! Come on and fight! I'll take you on! I'll make you into stew! You and I in a duel. Well, how about that? I'll be glad to take you. Il y a une épée, ce putain d'ogre. I am Gadwin, Knight of Dite. Oh, c'est pas un ogre. T'as bouffé Sou. Gadwin, je suis Firecam, inquisiteur. C'est quoi mon pote? Donc vous avez onde de choc, la puissance de l'onde. Et le choc! Défense, hein! T'auras pas le temps, mon gars! Here goes. Subis la puissance! Hein? La puissance contrée! C'est impossible! Combo dans sa gueule! Il va se défendre, mais. Il peut pas être si costaud! Justin! Tu es efficace! Il se défend tout le temps! Quel stratagème doit-il employer? Crit-le! Cancel! On a mis un impénétrable.
par ce coup de mortel. Tiens, tu les sens là. Oh, la bite du dragon. Non, pas de bite de dragon, mon gars. On fait une onde de shot. Un peu que de puissant, il est focus. Subis mon courroux. Oh. Come, power of the universe. L'univers. Dragon King Slice. Peut pas être si puissant. Justin. Oh my fucking god. Ouais, c'est juste tape à l'œil en fait comme puissance attaque. Parfois non, c'est réaliste. Moi, j'ai aucune chance. Hey, Sou, t'as pas été bouffé? Oh, j'ai cru mourir. Oh, j'ai cru mourir 9999 fois. 129,000. T'as pas été bouffé? Vraiment pas. Ah merde. C'est qui toi? C'est ta faute alors, hein? Hein? On est au courant, ça. Un village? Parfait. Je veux une armure aussi puissante que la sienne. C'est pas un homme. Oh, enfin, si. Excuse-moi. Il a fait sa maison avec un putain de poisson. Le type est un dieu. Étonnamment, j'ai même pas cadré en bas tes barres là à côté avec tes polygones. Ça me l'a fait si sur la version PS1. Incroyable. Ce combat. Bullshit! Je te fous de ma gueule! Il était long, t'as bloqué tout le temps! Connard! Comment ça, toi, de jouer? Oh? Tu n'aimes pas la pluie? Je vais te soigner en fait! Comme dans Baldur's Gate, il y avait un démon qui était immunisé aux dégâts! Du coup, j'ai soigné et il est mort! Pouvoir de l'amour! Parfois, ça fonctionne. Non, c'est vrai! Prendre du repos? Je me reposer, tu m'as branlé déjà, quoi! Pas la peine de me refaire encore un topo là-dessus! Ce gamin n'est pas si méchant, au final. Ouais, c'est vrai. Cette dérouillée était, au final, méritée. Oh putain, enfoiré. Dis pas ça, va faire la gueule. Ouais. Bah... ok. C'est vrai. T'es badass. J'ai vu plus de monstres que de gens, mais c'est rassurant d'avoir que les gens peuvent survivre dans cet enfer. Ah bon? Je me demande s'ils ont la même situation que nous on a, c'est-à-dire, de côté ils disent, ah non, de côté y a personne. Ok, et eux ils pensent pareil, c'est un peu con, comme si que dans le monde de l'univers, on était seul sur Terre. Possible? Bon, ça rien. J'ai compris, ça passe le dialogue. Ah, ok. Si j'ai pas réussi, tu n'avais aucune chance, Poe. Un jour, peut-être, tu verras un dragon, peut-être. Pas pour l'instant. Ouais, on est tombé. Enfin, franchi, c'est un grand mot, mais... ouais. Ça me tuerait de faire un duel. C'est vachement équitable, hein. Puis lui, là, que ça, genre, oh, c'est des gamins à 8 ans. En garde. Ouais. Ah bon. Exprime ta volonté. Ça, on s'en bat les couilles. Ouais, bizarre. Les montagnes les plus hautes du monde. Surtout le mur le plus haut du monde, mais... bon. J'ai vu, j'ai beaucoup tué. Ça m'aura pu la merde. Ah, c'est pour ça que c'est aussi bordélique ici. Ouais, l'équivalent, hein. Oh putain. Quoi, t'as eu... non, on va pas le savoir. Si ne nous regarde pas... pourquoi pas?
Bien sûr, une promesse, c'est une promesse. Si je voulais rien dire, j'aurais fermé ma gueule. Parfait, ça. Comme ça, je deviens un homme. Ah merde, à ce point-là, putain, quoi. Naïf, mon gars. Chevalier naïf. Dague, demain. Parfait, équipement. La ferme, je suis un homme, je commande. Ouais, super, t'as vu? Elle est enthousiastée. Ok, montre-moi ton gros village personnel. On s'amuse bien, on a failli mourir. Ouais, je me lasse jamais de ces répliques. Fini la bouffe! Moi les armes, du stuff, t'équipant! Des putes. Oh? Il est avec nous maintenant! Niveau 30! You moron! Il a fait un niveau 15! Putain, tu me parles là! Un duel! Pas comme stuff? La fameuse épée de Gadwin! Oh, tu fais masse dégâts comparé à moi! Ouais. En peau de dragon! Vraiment! C'est pour ça, hein! Épaisse et résistante, comme ma. Qu'est-ce que menaçant? Botte de dragon et. Ah, c'est la peste! Ok. Attends tes pouvoirs, Gadwin! Tu maîtrises le feu? La montre le plus en ennemi, ok. Spoil adverse, d'accord. Explosion! Pourquoi pas? Lance-flamme, secousse, ok. Tu possèdes. Attaque globale, de haute volée, ok. Intéressant. Tu as de la bite en éruption, peut servir. Un ennemi avec puissance. Et la bite dragon, ok, bon bah. Je l'ai pris dans la gueule, ça fait mal, ça bouffe toute ton énergie. Tu es faible, niveau 20 à l'épée. Cette pute, bah. Bref, il est bien équipé ce con. On doit aller maintenant, où est Dight? Je suis arrivé par où, moi? Où est le chaudron? Chaudron de Alma. C'est par là? Des rochers bloquent mon passage. Je n'ai rien dit. Y'a qu'un chemin par ici? Je peux aller chez toi ou pas? On peut y aller, ça sert strictement à rien. Un chemin. Bon. Ouais, j'ai vu, merci. Attaque-toi cette merde! Gadwin! Montre ta puissance! Tape-leur dans la gueule, dans le visage. Paquet de merde. Gadwin! À l'assaut! Tu es lent! Tu es lent comme un civet! T'as une tonne de points de vie, gros salopard! Non! C'est de la merde! Tape dessus que t'as toute ta puissance! Oh putain, le gros sac! Fonce, cours! Ouais, bon, tu es plus puissant quand t'es un PNJ! Pas quand tu peux te contrôler! Hey, celui-là aussi, j'ai oublié! C'était le moment où je laisse! Ouais, bon, je crois qu'on aura d'autres occasions d'admirer la puissance de ce demi-démon. Demi-dieu. Et passé niveau, cet enfoiré! Salaud, c'est dégueulasse. Mais bon, maintenant on est 4, donc c'est parfait. Vraiment cette merde. Un jour, je voudrais être un homme comme Gadwin. Aussi gros. La merde. Charme de feu. On va le prendre. N'importe quoi, mais. Restons sur feu. La merde commence. Ah, des golds perdus dans l'espace-temps. Mais qu'est-ce que fout un putain de niveau 30 dans cette zone? Et des nains du sommet de pierre. Comment je dois aller au bon chemin que je suis ici? J'ai un gros doute. Enfin bon, allons-y de toute façon, faut bien explorer. Mourez, nains du sommet de pierre. Vous m'avez fait chier dans Guiloir. Plus maintenant. Homme de pierre. Mon cul, il y en a. Enfin, ils sont plutôt gros, mais... On s'en fout. Que puis-je faire pour tuer? J'aimerais améliorer ma magie de... Non, il faudrait améliorer ma magie de terre avec elle. Ta gueule, ma magie de terre! Bordel, le fion! Ça leur fera zéro dégâts, à mon avis. Ils sont en pierre. Mais la pierre peut peut-être vaincre la pierre. C'est quelque chose que je veux essayer.
Tu te fous de ma gueule, tu vas détruire Akater. Pas protégé. Si tu résistes, c'est normal. Si tu prends des dégâts, c'est normal, de mon point de vue. Maintenant, comment le jeu va réagir par rapport à ma supremacie intellectuelle? You garbage! Ça a pu marcher. Attaque cette merde. Ils sont moins vulnérables aussi au coup physique, j'imagine. Et la pierre. Putain! Gadwin, t'es un putain de monstre! Fouette-le! Ok, donc, la pierre est pas vulnérable à la pierre, mais vulnérable aux flèches! Oui, absolument! Il veut attaquer! Tu aimes te faire fouetter! Tiens, brûle! Et dans ce jeu, la pierre brûle, oui. Ce serait drôle s'il devait faire des jeux très compliqués. La pierre ne brûle pas. Gadwin tank, mais normal. Je veux dire, imaginez, vous lancez un sort de feu sur une créature de pierre. La pierre devient chaude. Arrivez au corps à corps, vous prenez des dégâts de brûlure. Là, ce serait vachement intéressant, mais trop compliqué, je pense, à coder. Mais, ouais, il faut quand même des bonnes idées. Est-ce qu'on se prend un jeu concret? Non. Mais... Est-on jamais? En tout cas, je viens de dépenser pas mal de sorts dans le vent. Je suis... dégoûté. C'est ta faute, putain de suceur de boue! Bon, il y a quoi dans le coin? J'ai oublié ce qu'il y avait, mais... J'ai dû le récupérer de toute manière. Alors, c'est un grand cul-de-sac. Ok... Oh, on peut monter en haut! Il y a un Meneg. Parfait ça. On va affilier ça à Justine pour pouvoir qu'il bénéficie du pouvoir de l'air. Tu veux aller par là? Bien sûr que non. Allez dans cette putain de direction. Je veux me monter. Pas de perdre mon temps. Il y a un glisseur. Et un cul-de-sac. C'est peut-être par là, mais de toute façon, on devra faire demi-tour un jour pour retourner à la maison de Gadwin. Donc, on fera notre chemin quand on devra le faire. Donc, pour l'instant, on prend cette merde. Justin vient d'apprendre le coup du Lotus, mon coup spécial, on va dire, avec une arme, qui applique des dégâts de feu aussi, ce qui est donc pratique pour flinguer les gens, puis aussi mes raids de coups. Mes deux stats, les feux et l'arme. Hop, prenons le sou, faisons demi-tour. Et on voit ce qu'il y a en bas, il semblerait qu'il y a une sorte de manège là. Ouais. En tout cas, dans ce coin, on dirait qu'il n'y a pas grand chose. Il y a un cul-de-sac vers le bas. Il y a des rochers qui sont là. Et je pense que ce chemin là, c'est le chemin qu'on passe de l'autre côté. Mais dans ce cas là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Donc on verra plus tard, on verra. Là, on se dirige à. Ah ah. Bah, le dragon numéro 4! Ça, vraiment, il y a autant de niveaux pourris comme ça. Oui, détruis cette merde. Détruis-la. Oh. La bouffe est sous. Comment se fait-ce? Je veux ça. C'est à moi. Bien sûr, vous en doutez. Comment dire, pour faire des demi-tours, pour les masques, il faut tout faire à patte. Donc tous les monstres qui sont réapparus. Donc, cette zone est chiante, c'est pour uniquement cette putain de raison. Donc, ouais, va falloir faire avec et espérer que on s'en tire mieux que d'autres personnes. Bon, personne ne sait manger. Peut-être. Et parfait ça! Bon teamwork! Putain de déchet. Justin, coup du lotus fleuri! Ça pique. Ouille. Oh putain, Gadwin. Gadwin. You're no match for me. Ne prends pas la grosse tête, connard. Tu veux faire des créatures qui sont au moins niveau 10. Ils ont 20 niveaux de moins que toi. Incroyable, ça. 32 points et 32 pour un seul coup avec ce spell. Utile. Utile. Bon. Je peux le faire sans combattre. Je peux le faire sans combattre. Parfait. Ouh. On est plein le cul. Le problème c'est que... À part ce truc qui est moche... Ouh, Meneg. Pas mal ça.
En faire un autre? Je dois commencer à mettre sur sous. Le Gadouin est suffisamment balèze, il a déjà la terre, il a déjà le feu, donc sous n'a rien. Parlons de cette merde. Il y a des trolls et des géants de... Attention, géants de pierre! Hop! Pas surprise! Je pourrais essayer sur eux comme truc. La pierre marche pas. Le vent peut-être? Le vent tue la pierre? Non, c'est pas sûr. Au moins, le sac l'épée tue la pierre. Ah, c'est bien. Essayons. Sinon, ces mecs ont aucune faiblesse, à part les coups physiques. Oh putain. Gadwin tape entre 100 et 120. Mon Justin tape entre 110 et 80. C'est beaucoup de dégâts, 40. Alors, vénérable? Non. Ok, putain de scarabée, cette merde. Fuck you, scarab. Jet pierre. Jet con, ouais. Allez, Funa. Finish him. Fatality. Enfin, fatality dans ce cas-là, quoi. Ah, un jeu de mots énorme. Ok, bon. Comment sont mes stats? Un peu d'air, un peu de feu pour Funa. Le reste passe plutôt correctement. Hop, un peu d'or. Mais ouais, onde de choc, le sort de Justin, est une AOE très puissante en dégâts physiques. Donc, si c'est une personne résistante, comme par exemple les hommes de pierre, eh ben, une bonne AOE dans la gueule va leur montrer les bretelles. Bien. Allons au village de Dite. Donc, il me reste un chemin à visiter ici. Mais il ne devrait pas y avoir grand chose à part de la thune, des plantes ou autre du genre. Mais je le ferai quand même pour raison. Mais pour l'instant, non. Tout de même tour. On le fera de toute manière plus tard. Donc là. Ouh, un bon village. Enfin. Musique sympa. M'en souviens plus. Mais on pourra le temps de profiter ici. Mais. Qu'est-ce qui t'aime pas l'auberge? T'es allergique à la pluie et aux auberges. Et alors? Ouais. D'accord. C'est pas faux. Au moins ce village a l'air plutôt paisible comparé à cette putain de jungle à la con où tout le monde veut vous bouffer. Et là il court vite hein, gros con. Pourquoi tu cours pas vite quand je combat avec toi? C'est ta grosse carcasse. Il est encore dans mon groupe ce con? Ouais, bien sûr. La puissance s'en va, c'est logique, niveau 30 quand même. Mais pourquoi être surpris hein, ce serait un mensonge. C'est quoi ça? Auberge directement. Ok. On a quoi ici? Armory! Weapon! Stuff! Shield! Attends! Ma gueule. Je vais te voler, moi! Imoen, cambriole. Une épée spa. Hache de dragon. Oh mon dieu! 29? 38? J'ai moins... Ça coûte cher! Ça coûte très cher! Mais là, très fort! Attribut feu, c'est bien, mais c'est pas bien. Si les mecs sont restés en feu, je ferai 0 dégâts, donc ça me l'inventaire généralement. J'en vois pas, jamais. Dans chaque jeu, j'en vois pas. Attaque feu, excellent. On va le prendre au cas où, et au pire, tu pourras utiliser tes pouvoirs différents, donc ouais. Troc. Un arc poison? Non, poisson volant, putain. C'est des poisons volants, c'est... Oh, du poison, yes! Et... non. Ça coûte cher, c'est vrai. Mais là, mon épée est suffisamment améliorée, je pense. Donc, améliorer H sera plus ou moins important. Donc, yeah. Faisons ça. Ouais, les coups sont pas un souci, vraiment. Je crois qu'il faut la même merde, je crois. Non. 12. 15. Oh, sous, on peut pas l'équiper, sous, hein. D'accord, tout le monde peut. Plus 5 coups, très saillant. Ouais, défense est correcte, mais le reste, non. Qui pour cette merde? Yep. Oh, plein de défense. Je me demande pour quelle raison il y a besoin d'autant de trucs que ça. Regardez mes sous, ils disparaissent. Ah! Et... tente ça sur toi. Voilà. Ah, c'est décent, pour... 4 de défense, quand même. T'as quoi, toi?
Ouais, non, je perds beaucoup trop de déplacements et... Ils en ont besoin, ces gars, donc... Ces gars! Ok, j'ai la magie. Oh? Gadwin, enfoiré! C'est toi qui avais ce putain de jeu de mana! You garbage! Je vais le retrouver, ce con! On a besoin! Magie! Magie will rise again! Où il est parti? Côte-côte! Maison 3. Une importance. Maison 2. Ancien du village. Pourquoi toujours un vieux dans chaque village? C'est dingue! Maison 1. J'ai envie de roter, mais je me retiens! Je me retiens! Je te rentre pas en direct! Plutôt beau dans le coin quand même. Hein? What the? Y'a les poissons qui bougent encore! Ils sont pas morts! C'est quoi ça? Ma grande mère! Ok. Oh! Il est ici! La clinique, ok, docteur Alma, ok, revenu en ville. Bien sûr. Bon, alors parlez au vieux fou. Laissez-moi passer. Bien sûr. Tout le tour. Par toi, maison 6. Y'a du monde là-dedans quand même. Qui l'a cru? La mère est bizarre, mais la mère parfois. Oh. Y'a un truc étrange. On peut insérer un truc ici. Une épée peut-être? Ou alors... Non. Personne n'en sert à quoi que ce soit là-dedans. La maison du vieux fou. Oh, il est là. Vraiment, ce qui a bien pu affoler autant... Ce bon vieux Gadwin avec ses... sa tronche qui est désarticulée par rapport à son corps. C'est quoi ce genre de pluie aussi? Tu es moche et repoussant! Ah, à ce point-là, de quoi tu peur, toi, puissant guerrier? Oh! Ouais, mais... Quoi, ce temps de pluie? Ouais. Bon, bah... D'accord, bah... Tant pis, allons voir, je sais pas... Allons nous reboger à l'auberge! Peut-être qu'il y aura des alcoolos qui pourront nous renseigner sur... cette histoire de pluie, là, parce que... Aucune idée, quoi. C'est quoi la pluie? Ok. Allez, passe le dessus quand il se bat, hein. Il ouvre sa gueule comme cette putain de tennisman. Incroyable. Un érudit. Oh oui, la magie, c'est ça. Vraiment? Il va tout par derrière? Je savais pas ça. T'as eu du temps, encore. Ah, c'est quoi ce problème? Ouais, je vous dis merci pour avoir ce vaisseau. La tour Typhon. Ouh, la peste, c'est ça? D'accord. Y'a ton patient, sale menteuse! Au moins cache-le avant de dire ça. Allons à l'auberge donc. Et avant de voir son vieux vieux Gadwin. Il va revenir apparemment, je lui fais confiance. Il est un homme, en vrai. Il a fait une promesse. Où est l'auberge? Elle est là. Doom, doom, doom. Let's see. I took some medicine to Dr. Alma, but it's not nearly enough. Gonna have to make a 2 trips. But you know, everyone gets better with my medicine. Just warms my heart and fills my wallet. Uh-huh. Don't you think it's wonderful? Huh? I don't know. I guess. Well, everyone is happy. Isn't that just a wonderful? Oh, wow! A talking rabbit! I can't believe my eyes! Hey, can I touch you? Just no. A little? Psst! What's a with you guys? You keep calling me rabbit. Rabbit. From my point of view, you guys are from the other side of the wall. You're the stranger looking ones. Comment il le sait? How did you know that we came across the wall? Putain! Who are you?
I'm Guido of Zil Padden, a traveling salesman traveling throughout the world. On s'en bat les couilles. Ouais, la bouffe, elle a. Oh, come on! Il a mangé dedans, ça? Les mots gays? Non. Oui, on s'en fout de ta gueule. Il connaît mon nom, cet enfoiré! C'est surtout un gros fumier! Backstab! T'es un prophète, hein, tout du genre! J'en ai vu un dans Warcraft, et il a été tué par ses alliés! Bon, c'était Medivh, mais il était maléfique quand même! Pas de réponse, hein! Ouais. D'accord. Intéressant, petit bonhomme. Pas de bouffe? Non, j'ai rendez-vous avec Gadwin avant de pioncer, je veux le voir. Ou alors faut pioncer, pas le choix. Et qu'il aille pleuvoir. Je vois rien pour l'instant, moi. Non, je vois que dalle. Aucune pluie. Dragon! Non! Pas la vallée dragon! Traumatisme. Ouh. Ouais, celle-là, je l'aime pas aussi. Quand j'aurai fini avec, ça sera pour moi un grand soulagement. Ok, on va pioncer. Parce qu'apparemment, pour dormir dans ce jeu, on dort plus qu'on joue. Bon, on combat beaucoup aussi, mais cette zone est vachement chiante. Oui, c'est moi, t'as pas reconnu. C'est qui, Groom? Ah, voilà. Il a pas de chez lui, il est toujours à l'auberge. À part sa maison dehors, là. Ouais, pourquoi pas, ça a du sens. What? Il est un peu cintré sur les bords. La pluie, c'était que la pluie apporte la peste peut-être, que la pluie est acide, on se fait toujours là. Musique inquiétante. Pas bien. Comment ça, oh non. Oh putain, les cours les bras comme ça. Ça m'amuse, je m'en fous. Non, ouais. Allons voir. Restons sous la pluie acide. Ah, t'es brûlé. Il est où? Ah, il est là. On se repère vite fait là-dedans, au moins. C'est pratique. C'est pas les gros villages où on comprend rien. Oh? Mais... où il est ce con? J'en sais rien. Faut le trouver en plus. Il se dirige vers là-bas. Donc il doit être soit chez Alma, pour s'enseigner, soit... là. Quelle protection? Quel tour? Quel esprit! Il n'est plus empoisonné! Escaladez! Escaladez! La lance des héros! Le brassard des héros! Ils font chier quand tu dois être héros! Moi j'ai de l'équipement pourri qui coûte 10 000 pièces d'or! J'en suis parti! Si! Ouais. Je suis vaillant, courageux! Ta gueule, vieux con! Toi, tu es vieux, inutile! Pygmé! Ouais. Moi, je te poke avec mon engin! Ouais. Moins que ce vieux! Vraiment, jamais! Bien sûr, plus tu fais une promesse! C'est vrai.
Décidé. Ouais, pas de ta merde. Quoique, peut-être bien. Musique disséminée subtilement. Je l'ai vu. Bien sûr. Et puis bon. Pourquoi tant de haine? Ouais. Je dirais qu'elle a peur de quelque chose, mais de quoi? J'en sais rien. Je ne sais pas, je ne sais rien du tout! Acide! Bon, viens-nous la tour Typhon alors! Ou la tour Kiffon, je sais pas. Je suis perdu! On se met à 2 mètres carrés! Et là, il me faut ma puissante magie! Et virer tout mon stuff! On se retrouve! Un instant, je vérifie si le H est moins cher maintenant que j'ai une mission. Non, il m'aurait fait un objet moins cher que ça. Ça aurait chié. Mais à un point. À un point. Bon, prenons la magie. Et je remets ma hors screen. Parce que... Le vent pour Justine. Et l'eau pour Sou parce que... Ouais, Gadwin ne peut utiliser ni la flotte pour le réseau obscur. Bien sûr. Et le vent. Parce qu'il est déjà lent, donc il répète bien ce nom, mais en l'occurrence là, non. Bien. Allons à la tour Typhon. Allons à la tour Typhon. Ça peut pas être si dégueulasse que ça. Je l'espère vraiment. Non, le mont Typhon. La tour doit être au milieu du mont. Mais faut escalader, encore et toujours. Ça ne finira jamais cette escalade. Oh. De la boue bizarre. Un peu bizarre. Meurs, boue bizarre. Oh, cette zone. Ça y est, je m'en souviens. Flashback 4. Ça alors. C'est quoi? Oiseau de boue, j'imagine. C'est à plus de points de vie. Ouh, ça y est, j'ai rafale maintenant. Il faudrait même imaginer la Terre, moi, c'est besoin capital. Faisons des explosions. Et Godwin finira le boulot avec sa puissante épée à deux mains, la Karzomir. Firefly. Explosion. Eh, hey, c'est pas dégueulasse, actuellement. Fouette-le. Attaque celui-ci. Putain de guerrier, va. Vas-y, Sou. Il suffira à le tuer. Je lance le feu pour la simple raison que... Sinon, moi j'ai tout le trajet de A à Z pour les casser de la gueule. Donc, c'est un petit peu plus long, je pense. Alors que là, je peux lancer à longue distance, donc... je suis à l'abri. Oh, ça peut être un point en air, Fina. Bientôt. Le pouvoir niveau 6 de l'air. Sera utile, mais avant un bout de temps. Alors, ouais, on peut grimper sur le champignon pour avoir accès à d'autres zones. Zones chiantes. Alors, quoi d'autre dans ce coin maudit? Dont on la carte, toujours. A noter que si vous allez dans le... Ici, vous prenez des dégâts. Donc, c'est chiant, certes, mais si vous voulez utiliser votre magie d'eau pour monter de niveau vite, je pense niveau 8, vous pouvez le faire ici. C'est un très très bon spot, donc je le ferai, je pense, mais en stream, bien sûr, sinon c'est beaucoup trop relou. Bref. Oh putain, on prend cher. Et du gold. T'as quoi ici? Une vue globale. Pas grand chose d'intéressant, on dirait. Un chemin qui monte, pourrait servir. Il a quand même pris vachement cher, je vais quand même utiliser quelques soins. Utilisons donc le soin de groupe. Ça marche bien. Ça donne beaucoup aussi. Un gain de temps. Putain. Oh. Ça fait mal. Zone de merde. Le poison. Ça, c'est un truc qui me ralentit. D'accord.
peux monter. Si Dieu le veut. Non! Plus de créature mauvaise. Méchante créature. Oh, ils sont rapides. La pluie est leur allié. Comment je vais me virer d'ici, moi? M'attaque pas, hein. Ils peur. Oh. Un bouclier, là. C'est pas un que j'ai acheté, j'espère. Je crois que si. Tant pis. Bien, je suis en secret ici, mais non. Une texture dégueulasse. Oh, il y a une herbe ici. Puis-je y aller? Yes, I can. Cola. Oh, bon, j'ai aucune chance de trouver. Aucune chance. Je sais pas c'est quoi, mais on verra. Alors, ici pour farm, c'est super. Mais si vous voulez pas, c'est chiant. Bon, semble que la tour soit en haut, c'est plutôt bon à savoir, ça veut dire faire chier avec différentes choses. Il y a plein de créatures toutes pourries, il n'y a pas où, un manègue encore. C'est possible. Oui, le poison. Oh, Gadwin prend cher. Œuf de mana. Ok. Ouh, ils ont peur quand même. Oh. Ceci appartient à l'endroit. Je le prends et je le garde. Attention au poison. On fait ce qu'on peut pour éviter. Parfois on peut simplement pas. On prend très cher je pense quand même. Ouais, Sue est en train de rendre l'âme. Je ne veux pas farmer maintenant. Juste me rajeunir pour pas mourir. Ma priorité pour l'instant. Alors, il y a ce point de vue. Oh oh. Ok. Il y a du gold. Non. Oh putain, c'est rapide. Sauvez. Prenons le sou. Donc, personne ne nous veut de mal. Je pouvais également monter, je crois, ici avec des champignons, il me semble. Mais. Là, c'est de l'autre côté où je suis monté, ok. Je me repère un peu. Je prends cher, un peu. Pas descendre par là. On voit pas beaucoup hein, ce qui se passe. On voit que dalle. Je peux pas tomber. Donc, ça peut pas tomber. Peut-être qu'on passe par l'autre côté. Non, champion ne bloque la route. Oh, Seigneur Dieu! Ok, nous voilà au tout début du niveau. Là, on va pouvoir explorer, je n'ai pas encore exploré. Ce mec saute, j'ai peur. Faisons le tour. C'est qu'apparemment, il y a des thunes. Donc, récupérer ce que j'ai fait. On a bien besoin. Yep, là, la thune. Ok, continuons d'explorer dans notre coin. S'il y a un truc qu'on n'a pas vu, comme cette plante habilement dissimulée derrière cette cascade, on vous fera signe. Un pignon puissant. Ouais. Prenons-le. Et voyons voir s'il nous reste un truc dans le coin à explorer. Non, apparemment, j'ai tout récupéré. Donc, dans le coin, à part Manaeg et le bouclier. Qui d'ailleurs, espérons que c'est mieux que ce que j'ai acheté, mais je ne pense pas. Ouais. Qui prend le sursaut. Maintenant que j'y pense. C'est mieux que tes gants en dragon. Vraiment. Ça, c'est j'imagine. Ouais. Oh, 12. Non, ça c'est. Qu'est-ce que de pirates? C'est des pirates, ces gars-là? C'est intéressant. Ouais. Intriguant. Alors, on se passe à la tour. Vraiment? Tu n'as aucun esprit avec toi. De quoi faut-il bien avoir peur? Allons au sommet du Mont Typhon. Mais avant d'y aller, on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi. À la prochaine et bonne journée. Ah, ciao.